Et tout le monde, c'est Banane, bien nouveau. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire un cold start rapide sur le F16. Alors ce qu'on va faire tout d'abord, on va allumer notre batterie qui se plante derrière notre manette des gaz. On va la mettre en main power, juste là. Et on va mettre en allumage notre moteur en cliquant sur les switches en mettant en start one. En attendant, on va faire contrôle gauche plus C pour fermer notre V arrière. Tac, voilà. Et on va refermer le petit crabe, juste là. Une fois que ça sera rendu à 20 RPM, on va pouvoir faire shift droit plus début. Donc début se situe au-dessus de vos flèches directionnelles pour déverrouiller votre manette des gaz. Voilà. Votre moteur va monter jusqu'à 60 RPM et prendra le relais sur votre batterie. En attendant, on va pouvoir armer notre siège éjectable. Tac. Donc voilà, notre sapin de Noël s'est allumé. On va pouvoir commencer à tâter un peu au bouton de l'avion. Donc on va allumer notre MC, notre SATA, notre MFD, notre UFC, notre MIDS LVT. On va le mettre sur ON, notre Data Link, notre GPS et on va faire notre alignement INS. Hop là, on le met en norme. Une fois qu'on a fait ça, on va aller là. Donc si jamais vous avez un TGP, vous alimentez ou vous aurez besoin pour l'alimenter, de cliquer là, de passer sur ON. On met notre FSR sur ON et notre radar altimétrique. On va dégager notre horizon artificiel avec la molette de la souris. On l'aligne comme ceci. On allume notre HUD. Tac. On vérifie qu'on est plutôt cool là-dessus. Rien du tout. On va passer nos lights en taxi. On a bien notre anti-skid d'activer. On va allumer notre RWR. On va mettre nos contre-mesures en bypass et on va les allumer juste ici. On va allumer notre radio. On va allumer aussi notre IFF. Et pour finir, nos lumières de navigation. On les met en bright, tac, et c'est good. Pour finir, on regarde sur notre petit tableau juste là si on n'a rien qu'à allumer. On a notre master caution qui est éteint et on termine notre INS. Bon, on attend qu'il arrive à 1,5 à peu près et il sera prêt. Ce sera un alignement sommaire, mais pour moi, c'est sympa. Vous pourrez faire un alignement plus précis, là votre avion sera vraiment où est-ce qu'il se trouve, mais le minimum pour moi ça me convient. Après pour les plus tatilleux, ils voudront faire plus. Donc là on a Ready qui est apparu et on va pouvoir le passer en Nav. On clique sur Nose Wheel Steering, il y aura un petit logo qui arrive juste là et c'est parti, mon kiki, vous pourrez partir en mission. Bon, du coup j'espère que cette courte vidéo on en aura plus à certains et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.